Aujourd'hui est le jour des glaces pour les ploufs. Bébé Jimmy appelle les ploufs. Une louche de glace. Bébé Jimmy, ajoute la chantilly. Bien joué, pépite de chocolat. Me voilà! Je vais répondre. Vert, ça ouvre. L'appel vient du monde du volcan. Quartier général, nous sommes là pour aider nos amis. Bonjour les sauve-tous, c'est nous, Oscar et Tina. Salut les singes, quoi de neuf? Il nous arrive une chose terrible. Toute la semaine, nous avons dessiné et fabriqué nos cerfs-volants pour qu'ils soient prêts aujourd'hui. Le mien, c'est un monstre. Regardez, de grands yeux rouges, des dents pointues. Il est magnifique, Oscar! Merci, Caboche. Tina, montre-nous ton cerf-volant. C'est moi qui l'ai dessiné. Je l'ai appelé mon rêve de toujours parce que je rêve que je vole dans le ciel, que tout le monde regarde. Mais personne ne me verra voler parce qu'il n'y a pas un brin de vent. Pas de vent? Non, et c'est le vent qui permet aux cerfs-volants de voler. Sans un souffle de vent, nos cerfs-volants resteront à terre. Ne t'inquiète pas, Tina, le vent soufflera pour toi. Mais Jazzy, je ne crois pas que le vent, ça se fabrique. On n'a qu'à essayer. Ils ont travaillé dur à leurs cerfs-volants. Attendez-nous, les singes, on arrive tout de suite. Rouge, ça ferme. Écoutez, prenons notre splascopter. Sa grande hélice permet de voler à toute vitesse. Nous atteindrons rapidement le monde du volcan. Oui. Le nappard aussi. Petit mais très malin. Croyez-nous. Alors en route.
Merci d'être venu si vite. Vous savez comment fabriquer du vent? Non, pas encore, mais j'ai ma petite idée. Et qu'est-ce que tu fais, Caboche? Si tu mouilles ton doigt et que tu le tends comme ça, tu peux réussir à savoir de quel côté vient le vent. Un doigt mouillé est un peu plus froid avec le souffle du vent. Essaye. Je ne sens pas de vent. Et vous? Ou alors, on le sent mieux avec les orteils. Pas de vent sur mes orteils, dommage. Voyons, nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui fait souffler le vent? Je sais ce qui fait souffler du vent. Oh, une tempête! Non. Un battement d'aile! Non. Luna, c'est le splashcopter. On va faire tourner les hélices à toute vitesse. Et le vent va souffler. Et les cerfs-volants voleront. Les amis, on a trouvé la solution. Écoutez bien les singes, mettez-vous derrière le splashcopter, mais pas trop près. Vas-y, Caboche, fais tourner l'hélice. Transformation du splashcopter en ventilateur. À toi, Tina. Laisse le vent gonfler ton cerf-volant. Ça marche, ça marche. Oh, super. Admirez mon monstre volant. Si tu veux, on peut t'aider à en fabriquer un autre. Je ne veux jamais plus faire voler de cerf-volant. Salut les amis. Salut Winston. Vous n'allez jamais me croire. Il vient de m'arriver une chose extraordinaire. Je ne crois pas que ce soit le bon moment. Non. Vous devez m'écouter. Je nageais tranquillement. En fait, j'avais le moral dans les nageoires. Quand j'ai vu quelque chose dans le ciel... Et devinez ce que c'était? Un singe qui volait. Oh. C'était fantastique. Je me disais, Winston, tu n'es pas au creux de la vague aujourd'hui pour avoir la chance de voir un singe volant. Mais il a atterri. Et j'ai réalisé que c'était en fait le cerf-volant de Tina. Alors j'ai foncé ici à toute vitesse pour le lui rendre et pour remercier Tina la Guenon. Me remercier? Pourquoi? Pour avoir égayé ma journée grâce à une magnifique œuvre d'art. Il s'appelle Rêve de toujours. C'est moi qui l'ai fabriqué. Eh bien, ça explique pourquoi j'ai tout d'un coup retrouvé le sourire. Merci, Tina la Guenon. Au revoir. Au revoir. Oh, oh, du vent. Oscar a raison. Le vent souffle. Du vrai vent. Alors, qu'est-ce qu'on attend, Oscar? Faisons voler nos cerfs-volants. Viens, on y va. Notre travail est terminé. Rentrons maintenant. Au revoir, à bientôt. Au revoir, les amis. Alors, vous avez fabriqué du vent? Oui, on s'est servi des hélices du splashcopter comme ventilateur. En plus, on a appris que quand on fabrique quelque chose en y mettant tout son cœur, c'est un cadeau pour les autres. C'est vrai, et il ne faut surtout jamais laisser quoi que ce soit détruire tes rêves. Regardez. Oh, je parie qu'il rêve d'une bonne glace.
terre.